Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale, parce que comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur un jeu. Du coup. Donc oui, alors en fait plusieurs informations. On va commencer par la plus importante, du coup. Attendez, je vérifie que mon micro est allumé. Ouais, c'est bon. Donc oui, on va commencer du coup par la plus importante qui est par rapport à Metal Gear Rising. Comme vous avez pu le voir, ça fait un petit moment que j'ai pas continué le Wakfu sur ça. Pourquoi? Parce que tout simplement le jeu m'a un peu déçu en fait. Et j'ai donc perdu l'envie de continuer à le filmer. Et même dites-vous que j'ai perdu l'envie aussi d'y jouer tout simplement. La dernière vidéo correspond toujours à là où j'en suis actuellement dans le jeu. J'ai toujours pas avancé, voilà. Alors le jeu est loin d'être mauvais, hein. Mais je sais pas. J'arrive pas à accrocher et à continuer. Tout d'abord, ce que faut dire ce qu'il y a plusieurs défauts quand même. Exemple numéro 1 qui m'a le plus je sais pas comment dire ça, le plus voilà plus étonné, on va dire ça comme ça, c'est les combos dans Metal Gear Rising. À quoi ils servent les combos? Mais à rien du tout. Je veux dire vous bourrinez carré tout le temps, ça passera tout aussi bien que si vous vous emmerdez à faire des combos de fou. Donc après je dis pas que tous les combos ne servent à rien. Non, loin de là. Il y a des combos qui servent, par exemple les combos de projection en l'air. On a pu le voir dans les dernières vidéos, il me semble que je l'ai utilisé un peu. Celui-là, il sert. Après, il y a d'autres combos qui sont totalement inutiles, ou alors qui peuvent pas être placés sur les gros ennemis et tout ça. Et au final, sur les petits ennemis, ça sert à quoi de mettre un combo, puisque quand on voit qu'on le tacle, on peut le couper direct avec, je sais même plus comment il s'appelle, là, le mode au ralenti, on lui prend sa colonne vertébrale. Donc à quoi bon lui faire un combo, quoi. Après, peut-être, je me dis, j'ai pas essayé encore, mais c'est pour avoir justement rang S et tout ça. Au niveau de la note après le combat là, vous savez. Mais sinon voilà, moi personnellement, je sais pas, j'arrive pas à reprendre le jeu, je n'arrive pas du tout. Je préfère encore même jouer à des anciens jeux que j'ai sur ma PlayStation comme BioShock 2. Voilà, j'ai acheté BioShock Infinity aussi, je l'ai pas fait en Wakfu celui-là. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Après voilà, hein. Ça c'est un choix, j'ai mais voilà, après je dis pas que le jeu il est nul hein. Loin de là. Très loin de là même. Parce que ça reste un jeu de la saga Metal Gear. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ce jeu. Moi après personnellement j'ai un peu de mal. Ou alors peut-être que je me suis pas assez mis dedans, je suis pas allé assez loin dans le jeu pour comprendre vraiment ce qu'il valait. Donc puis oui, bah en plus oui, puisqu'il me semble que au dernier boss que j'ai fait en vidéo, on débloque un nouveau mode pour Raiden. Et je l'ai toujours pas utilisé parce que j'ai pas continué. Donc peut-être que même avec ce mode, déjà le jeu est beaucoup mieux. Je ne sais pas, j'ai pas continué, je ne sais pas. Donc voilà. Donc du coup voilà la première information. Deuxième information. Du coup, pardon, pour finir avec la première, pour finir avec Metal Gear, en fait je l'ai pas concrètement dit, mais vous douterez bien que j'arrête le Wakfu au final, hein, que je vais pas le continuer. Sauf si vraiment il y a même une ou deux personnes qui me demandent, qui veulent voir la fin et tout ça, je le ferai. Mais sinon je pense pas le faire. Personnellement, non, je ne pense pas le faire. Donc, deuxième information. Du coup, l'arrêt de ce Wakfu permet notamment un nouveau Wakfu. Nouveau Wakfu, donc sur un nouveau jeu. Un nouveau jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui va bientôt sortir, puisqu'à l'heure actuelle, nous sommes voilà, le 8. Et le jeu, il sort le 14. Oui, normalement, oui, il sort le 14. Donc je ne vais pas vous dire le nom du jeu, mais je commencerai à faire la première vidéo, je pense, le 14, et elle sera postée dans la nuit du vendredi à samedi normalement, pour que ce soit vraiment une petite exclue, enfin une exclue. Je pense pas, il y aura déjà des tarés qui auront le jeu avant déjà pour commencer. Et il y en a même le jour même, à mon avis, ils travaillent pas ou je sais pas quoi, ils vont poster ça dès le matin, ils vont enchaîner, ils vont enchaîner, ils ont même terminé le jeu déjà sur YouTube. Mais moi voilà, moi comme je peux pas, hein. La première vidéo sera faite le vendredi et sera postée dans la nuit du vendredi à samedi. Voilà. Donc, pour vous donner un petit aperçu et un gros indice sur quel est ce jeu, puisque j'ai pas envie de donner le nom, je vais vous montrer un petit thriller. Et merde, là vous avez vu le nom du jeu. Fait chier. Ah, putain, quel con. Bon, bah, tant pis, je vous mets quand même le thriller et je vous laisse l'admirer. On en reparle juste après.
What if it's true? Do I need to remind you what is out there? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. I need something smuggled out of the city. It's just cargo, Joel. I just want some simple gear, enough to set me on my way. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. It can't be any worse than in here. Can it? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! What are you so afraid of? You're treading on some mighty thin ice here. What do we do? You make every shot count. You see, I believe everything happens for a reason. We don't have to do this. You know that, right? After all we've been through, everything that I've done, it can't be for nothing. Ouais, super, en fait j'avais pas vu, mais il y a même le titre du jeu à la fin, quoi. Donc quoi qu'il arrive, vous l'aurez ici. Bon, c'est pas grave. Très bien, très bien. Oh merde, c'est quoi ça? Ah d'accord. Ah, c'est bon, ta gueule. Donc voilà, voilà un peu le prochain jeu que je vais faire en Wakfu. Normalement celui-là, c'est impossible que je l'arrête, parce que vu comment ça va être une dinguerie, je pense que je vais le bouffer le jeu, mais je vais l'enchaîner. Et je vais, voilà. Donc après, c'est tout en fait. Voilà ce que je voulais un peu annoncer. Je sais pas combien de temps fera la vidéo, mais ça fera une petite dizaine de minutes, je pense. Enfin, voilà. Donc du coup, je vous laisse là. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à tout ce que je viens de dire ou autre chose ou ce que vous voulez sur les vidéos One Piece ou sur je sais pas quoi, n'hésitez pas. Ou si vous voulez certaines vidéos sur certains jeux, on sait jamais, j'ai un tas de jeux, donc peut-être que je l'ai. Donc vous demandez, enfin voilà. Faites ce que vous voulez, c'est libre antenne, si vous faites ce que vous voulez. Posez les questions que vous voulez. Proposez ce que vous voulez. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Pour peut-être The Last of Us ou autre chose, si vous avez demandé un truc avant ou je sais pas. On verra bien. Et donc, salut tout le monde, à la prochaine.